Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo assez rapide juste pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues concernant la formation que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Comme j'ai reçu énormément de questions, je pense que le plus simple, c'est d'y répondre directement dans une vidéo. J'en profiterai également pour vous montrer un petit peu de l'intérieur comment cette formation est faite, qu'est-ce que vous allez y trouver concrètement. Donc si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Donc cette formation que j'ai nommée la résine époxy clé en main, elle s'adresse principalement à des gens qui sont soit ultra débutants, soit intermédiaires. Il y a même des gens qui font de la résine depuis plus d'un an, qui ont commandé la formation et qui ont appris beaucoup beaucoup de choses. Donc au niveau des prérequis, forcément il faut avoir un minimum d'outillage, donc être un bricoleur, avoir un endroit où bricoler. Si vous habitez un appartement, vous n'avez pas d'endroit, de pièces dédiées pour ça, vous allez être vite limité forcément. Au niveau contenu, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette formation? Donc la formation, je l'ai articulée en deux parties, la partie théorique et la partie pratique. Pour la partie théorique, elle est composée de 5 modules au format PDF, ce qui représente au bas mot plus de 50 pages de contenu exclusif. J'ai imprimé les modules pour me rendre compte un petit peu plus physiquement de ce que ça représente, 50 pages, et finalement c'est assez conséquent, hein, voyez, au niveau de l'épaisseur. Il y a du contenu, il y a de quoi faire, vous inquiétez pas. Des réponses claires et précises sur bon nombre d'idées reçues qu'on peut retrouver dans la pratique et dans la technique de la résine époxy. Et j'ai structuré ces modules pour qu'ils soient efficaces et faciles à lire. Au début de chaque module, vous retrouvez un sommaire avec toutes les parties et les sous-ensembles qui vont être abordés dans le module. Je tenais vraiment à ce que ça soit très clair et très lisible. Dans le module 1, vous apprendrez donc à définir clairement votre projet en fonction de ce que vous voulez faire, à choisir intelligemment votre bois, en partant vraiment des bases de la connaissance par rapport à la structure du bois, les essences populaires, les essences à éviter, etc. Et chose très importante, à la fin de chaque module, vous retrouverez toute une liste et des conseils pour savoir où aller pour vous procurer les meilleurs matériaux. Dans le module 2 sur la préparation, on va voir ensemble comment choisir sa résine, donc définir exactement quelle marque choisir, quelles sont les spécificités de chaque marque, les viscosités, les temps de polymérisation, etc. Tout est passé en revue, tout est extrêmement détaillé. Comment calculer le volume facilement, les principes de base et les astuces spéciales. On va voir également comment fabriquer un coffrage, quels matériaux utiliser pour le coffrage, donc les panneaux dérivés, le polyéthylène haute densité, les revêtements et les astuces spéciales qui s'appliquent dans ce cas de figure. Dans le module 3 sur la mise en œuvre, on va voir ensemble les ratios, donc le principe de base des ratios et surtout des exemples concrets. Encore une fois, le but c'est que ça soit le plus limpide possible. On verra évidemment le mélange, les outils indispensables par rapport au mélange, les précautions à prendre en compte, les pigments liquides, les pigments métalliques. Encore une fois, vous retrouverez des recommandations, une liste pour savoir où acheter, quelles sont les meilleures marques. Ensuite, vous aurez l'écoulé avec la technique du scellement. Est-ce que c'est vraiment utile? Là encore une fois, je pense que vous allez être surpris. Le coulage principal, évidemment. Et enfin, la polymérisation. Le module 4 sur le surfaçage et le calibrage. Dans ce module, vous allez apprendre entre autres à fabriquer et utiliser un routeur SLED et également une partie sur les pieds, si vous utilisez des pieds pour fabriquer par exemple une table basse ou une table de salon, peu importe. Le choix et la fixation. Et enfin, le module 5 sur les finitions. Donc là, on va passer en revue les phases de ponçage, donc les recettes d'un ponçage de qualité. Donc ça, c'est pareil. C'est fait une piqûre de rappel. Ça s'adresse également aux débutants, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on verra les huiles de finition premium. Donc quelle huile choisir, où acheter. Encore une fois, vous aurez une liste avec des liens cliquables dans le module PDF pour directement avoir accès au site. Les finitions vernis, les finitions époxy et une introduction au polish. Donc vous voyez que cette formation va même bien plus loin que la résine époxy parce qu'elle commence bien avant avec la définition du projet, le choix du bois, toutes les erreurs à éviter à ce niveau-là. Et elle se termine également bien après avec toutes les techniques de finition qui s'offrent à vous. Le choix des pieds, les fixations, etc. Donc c'est vraiment ultra, ultra complet encore une fois. Dans la section des modules théoriques au format PDF, vous aurez également accès aux annexes où vous retrouverez tous les plans détaillés du routeur SLED.
pour la pratique, c'est simple, vous avez également 5 vidéos. La vidéo 1 sur les coffrages avec la méthode standard et la méthode optimisée. La vidéo 2 sur la préparation des bords et la technique des scellements. La vidéo 3 sur les coulées, tout simplement. La vidéo 4 sur la fabrication et l'utilisation d'un routeur sled. Et enfin, la vidéo 5 sur le ponçage et les finitions. Chose importante, vous n'aurez pas de redondance entre les modules théoriques et les vidéos pratiques. La théorie et la pratique dans cette formation sont vraiment complémentaires et vous aurez des conseils exclusifs dans les deux. En bonus, avec cette formation, vous aurez également accès au groupe privé d'entraide sur Facebook qui est exclusivement réservé aux membres de la formation. L'intérêt de ce groupe, c'est vraiment de créer une communauté soudée où chacun peut poser une question technique s'il a un problème à n'importe quel moment et où chacun peut poster des photos de ses réalisations, donner des conseils, donner son avis, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et je reçois tellement de messages de gens qui se lancent dans un projet avec de la résine et qui malheureusement échouent simplement par manque de connaissances. Et quand on connaît le tarif de la résine, l'achat de cette formation vous coûtera sûrement moins cher que la résine que vous risquez de gaspiller. Voilà, j'espère que cette vidéo promotionnelle vous aura pas trop saoulé, que vous aurez appris des choses ou que ça vous a même rassuré si vous hésitez à acheter la formation. Je vous ai mis évidemment le lien dans la description. Vous pouvez encore profiter de la promotion, donc des moins 30% jusqu'à samedi à minuit, donc samedi 22 février 2020 à minuit. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.